Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de parfum d'âme de ce mercredi 26 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, tout a un sens. Il n'y a pas de tâche ingrate ou de sale besogne. Il n'y a que l'image que l'on s'en fait. Tout a un sens. Tout est utile. Ainsi, lorsqu'on prend conscience de l'intérêt de sa mission, on l'accomplit avec un enthousiasme nouveau. Aujourd'hui, j'ai pigé cadeau. Ben voilà, ça va vous faire du bien pour certains d'entre vous. Après la renaissance d'hier, c'est le cadeau. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Et ça, c'est le travail que vous avez fait pour cette renaissance d'hier. Eh bien, ça porte ses fruits. Et quelle belle synchronicité, aujourd'hui cadeau. Une bénédiction arrive pour vous. Vraiment. Voyez, après ces difficultés que vous avez passées, et là maintenant, vous avez mangé votre pain noir, vous avez mangé votre pain gris, et là maintenant, vous allez manger votre pain blanc. Soyez donc prêts à l'accueillir, ce cadeau, et à en profiter pleinement. Pour certains d'entre vous, vous allez être surpris de ce qui est sur le point de se produire prochainement. Alors, ne laissez pas une mauvaise période de votre vie vous faire croire que votre vie est nulle. Car tout dépend de vous et de ce que vous mettez en place pour vous en sortir. Et vu que vous avez fait ce beau travail sur vous, vous avez fait un lâcher-prise. Vous avez pris les bonnes décisions pour avoir cette belle renaissance. Eh bien voilà, vous avez un beau cadeau. Gardez à l'esprit, n'est-ce pas, que des jours meilleurs arrivent, avec de merveilleuses surprises inattendues. Car c'est vrai, vous avez vraiment mangé votre pain noir. Mais la roue tourne, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas toujours rester figé dans cette énergie négative et les moments négatifs qu'on vit. Évidemment, c'est à vous seul de prendre des décisions. Encore une fois, vous avez le libre arbitre. Mais si maintenant vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de vous apitoyer sur votre sort et de mettre les bouchées doubles pour parvenir à ce que vous désirez, pour fermer des portes, par exemple pour ne plus être sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, eh bien, voilà, le cadeau arrive, la renaissance d'hier, c'est magnifique. Encore une fois, ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Hein. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous. Mais là, waouh, c'est beau, renaissance, cadeau. Oui, renaissance, cadeau, c'est magnifique. Voilà, vous allez être récompensé des décisions que vous avez prises, de l'énergie positive que vous avez mis pour arriver à vous sortir de ce cauchemar, parce que c'était presque un cauchemar que vous avez vécu. Allez,
Je suis ravie pour vous, pour ceux et celles que ça parlera. Je termine, n'est-ce pas, avec l'énergie de guérison. Et là, c'est le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Voilà, je respire la lumière, je vis la lumière, je fais grandir cette lumière en moi, n'est-ce pas? Et je fais une chose à la fois, comme, voilà, lundi, c'était être au four et au moulin. Eh bien non, vous faites une chose à la fois, et là vous mettez de la lumière pour cette renaissance. Vous avez la lumière parce que là vous vous sortez d'une période, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, et je vous dis à demain.